Re mes beautés, j'espère que ça va mes chéris, que vous avez passé un bon vendredi. Bon, moi les filles, je suis allée faire un hammam, ça m'a fait trop du bien. Je commence à reprendre petit à petit du poids et tout parce que franchement c'était une catastrophe. J'avais trop minci. Donc là, on va ramener Islem, les filles, on va le ramener au Global Village. Comme ça, il va kiffer et tout, on va aller manger là-bas aussi. Et voilà. Dès demain, Inch'Allah, je reprendrai mes snaps, mon quotidien comme d'habitude. Ça m'a fait du bien un peu là de me couper 2-3 jours. Je me suis reposée parce que ça faisait 5 jours. J'enchaînais les nuits blanches et tout. Donc franchement, ça m'a fait trop du bien. Et je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages. Vous êtes des amours. Merci de m'avoir toujours soutenue. Merci d'être toujours présente après tout ce temps. Merci pour tout, mes chéris. Je vous aime trop. Bon, à la base, les filles, je devais rentrer en France. Sauf que là, le 24, j'ai quelque chose d'hyper important à faire ici. Donc, après-demain. Et en fait, je voulais rentrer. Je vous explique. Je voulais rentrer genre le 25. Mais après, Anissa, elle repart le 4. Donc, je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Sachant que là, les billets pour... si, genre, on y va juste, Islam et moi, 2000 euros. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller une semaine en France? Donc, franchement, je suis un peu perdue. Du coup, je ne sais pas si je vais rentrer là ou alors genre mi-janvier, fin janvier. Je ne sais pas du tout, les filles, franchement. Ça, je vous tiendrai au courant. Et voilà. Bon, regardez, mes chéris, j'ai utilisé la gamme jaune de chez Unicone. Franchement, le résultat, magnifique. Mes cheveux sont tout brillants et tout. Bon, la dernière fois je l'avais mis avec des chaussons les filles, là je l'ai mis avec des petites Nike comme ça. Voilà. Ça va, ça se voit pas là que j'ai maigri. Quand on voit comme ça va, ça se voit pas. Bon, voilà, c'est une sorte de réserve les filles, regardez. Il y a plein de choses, il y a des jeux, il y a des restaurants. Il y a énormément de choses. Ça m'a l'air trop stylé. Vous pouvez ramener vos enfants ici pour qu'ils jouent. Bon, après, là, il est tard, les filles. On est sortis tard. Mais je vais vous faire un petit tour. Ça m'a l'air trop bien. Là, vous avez plein de petits restos et tout comme ça. C'est sympathique. Voilà, c'est une sorte de réserve. Les filles, j'aime trop. C'est une sorte de petite réserve. C'est trop stylé. Regardez, là, vous avez plein de miroirs comme ça et tout. J'aime trop. Faut écouter quand je parle. Je vous ai dit de base, Yusra, j'avais rien contre elle. Mais en fait, cet été, j'avais reçu un message qui m'avait énervé. Et du coup, je pouvais plus me l'avoir. Voilà, parce que ça m'avait trop énervé. Et là, bah, ces derniers temps, du coup, avec les histoires, j'ai parlé avec elle. C'est une gentille fille. Parce qu'en fait, je l'ai. Ça a été un malentendu, en fait. J'avais une mauvaise image d'elle en tête. Mais c'est une très gentille fille, Yusra. Waouh! Vous avez plein de jeux. Islam, viens, on joue à ça, mon fils. Viens! Ça, je crois que c'est un resto. It's open? Unfortunately, yeah. I regret to inform you that it's closed. No, oh no! Sorry, man. Tu connais toi? Bon, merci Dubai Vice pour cette adresse. Vous nous avez ramené où, les gars? On est dans une réserve naturelle à Quechura, donc c'est à Nadel Sheba, le quartier. Vous pouvez retrouver beaucoup de food trucks de toutes sortes. Ouais, vous avez tous les filles, c'est eux qui m'ont fait découvrir cette adresse qui est juste à côté de chez moi, c'est trop stylé. Ouais, franchement, pour les familles, pour les petits, c'est magnifique. Voilà, pour les familles et vous allez kiffer les filles. Pour les enfants, vous avez sur Dubaï, vous voulez des activités, des bonnes adresses, des restos, la Luxury Car. Voilà, les bons plans, ils ont un TikTok et tout, c'est Dubaï Vice les filles. Re mes beautés, j'espère que ça va. Bon, franchement les filles, c'était trop bien cette nouvelle petite adresse. Je vais essayer de vous partager plein de petites adresses comme ça. Bon, on est un peu sorti tard. Là, il est plus tard chez nous. Il est minuit et demi, les filles. Mais franchement, c'était trop bien. Genre, c'était une réserve naturelle. Il y avait plein de choses pour les enfants. Donc ça, les filles, c'est une adresse à faire en famille. Vous allez. Bon, alors mes chéris, vous savez les thés à ma fille. Bon, allez les filles, ça y est, go dodo. Je voulais vous montrer un truc. Moi, on m'a envoyé ça la dernière fois dans la valise. C'est trop bon. Ça vient de France, c'est des sortes de donuts
cacahuètes, mais c'est sucré salé, genre c'est caramélisé. Hier soir, je me suis tapé un paquet, j'ai trop trop aimé, c'est Coucou mes petites beautés d'amour, j'espère que ça va. Bon, j'étais en train de me préparer les filles. Là, j'avais plein de choses à faire. J'ai fait mon teint et tout, on va faire les yeux ensemble. Je vais aller avec mon petit frère Yad, on va aller faire le plein de courses. On va aller remplir le frigo, le plein de viande et tout, parce qu'il n'y a plus rien à la maison, les filles. Qui n'ont pas compris les styles dont je parle, qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai sorti ma collection de fossiles magnétiques et je vous ai fait que des références que vous allez kiffer. Donc, on a du Ice, on a du Silasil, on a du Foxy Ice et on a de la pose mixte qui est à quel point ça change. Regardez là ma tête, il n'y a pas de cils, il n'y a rien du tout. Bon, faites pas attention les filles si j'attrape un gros bouton à force de pas dormir et tout. Donc, du coup, mes beautés, je vais vous montrer. Donc, ça, je vais les garder comme ça, les filles. Ça, c'est les boîtes, vous les recevrez comme ça. Je vous montre celles que j'ai déjà ouvertes. Alors, on va mettre aujourd'hui la référence Silasil. En fait, les filles, j'ai voulu faire que des demi-bandes parce que je trouve que ça va vraiment à tous les regards. Vous allez voir, donc j'ai fait que des deux aimants, il n'y a pas trois aimants, c'est deux aimants. Que agrandir et ouvrir, je vais vous montrer, vous allez être choqués. Alors, comment on les met, les filles? C'est super simple. Vous posez votre bande comme ça. Ok, là pour l'instant, ça ressemble à rien. En fait, vous avez deux aimants, c'est hyper simple. Le premier aimant, il est. Attendez, parce que j'ai pas de miroir, donc. Hop. Premier aimant, en fait, les filles, vous le mettez dans le coin externe. Voilà, comme ça. Et en fait, vous avez un autre aimant dans le coin interne. Franchement, les cils, ou même des photos, les filles. Oh, voir les filles, ok. Hop. Attendez, je le mets bien. Bon, alors mes chéris, regardez. Vous avez vu cils, ce que ça donne? C'est magnifique. Côté du mascara sur le devant, moi je déteste le mascara, les filles, je suis pas fan du mascara. Je ne dois pas toucher parce que c'est que des demi-bandes. Comment faire? Les filles, je vous jure que c'est hyper, hyper simple. Cils à cils. Bon, regardez-moi mes beautés, cette mise en beauté là, on va sortir. Merci beaucoup ma chérie. Regarde ma chérie, lève les yeux là-bas. Regarde-moi genre. Regardez les filles. Et une beauté. Merci. Regardez les cils. T'en penses quoi? Alors là, c'est la rêve. C'est la cils et elle est extraordinaire. Magnifique. Alors, mes beautés, c'est super simple. Pour les enlever, c'est bon. Bon, mes petites beautés, vous avez trop kiffé les cils. Donc, je suis super contente. Franchement, j'ai trop hâte que vous receviez. Je vous ai mis un code de moins 20% pour les 1000 premières. Donc, les 1000 premières qui vont commander. Vous aurez moins 20% sur vos données, mais du coup, auquel je travaille. Ce sont des marques hyper qualitatives. Regardez-moi ce fer à lisser qui vous rend les cheveux baguettes. Moi, les filles, j'utilisais, franchement, c'était que GHD avant, genre. C'est qu'il est fait en tourmaline. Donc, vous savez, les filles qui font les lissages au brésilien à la maison, les botox et tout. Et les filles, si vous cherchez un lisseur, celui-ci, il monte jusqu'à 232. Tout lisse, il est. Et vous, je tape les filles, c'est que vraiment il abîme pas du tout les cheveux. Celui-ci, il l'a clairement détrôné. Vous savez, si vous voulez des cheveux tout baguette comme ça et tout brillant, il est bon. Mes beautés, regardez, j'ai fini de me lisser les cheveux. Alors, pour toutes celles qui cherchent un lisseur, bon, je viens de récupérer mon frère, les filles. Pourquoi tu te caches? On va aller manger et après on va faire nos courses, hein, Riyad? Ouais. On va faire plein de courses. Par contre, là, ça fait 2 heures. On est en train de chercher une place partout, les filles. Oh, c'est trop. Je vais ramener mon frère manger, les filles, au self Ikea. On va manger. Après, je reprends manger tout à l'heure. Mais là, le médicament que j'ai pris, j'ai trop la dalle. Là, les filles, j'ai encore trop faim. Ça, c'était bon, hein? Ouais, c'est vrai. Et elles ont tenu longtemps en plus. Donc voilà. Donc mon petit frère est trop contente. Au moins j'ai mon petit frère à Dubaï, les filles. Genre j'ai un membre de ma famille. Ouais, c'est trop bien. À défaut de ne pas avoir ma soeur, bah j'ai mon frère. Hein, Riyad? Ouais.
Bon, je vais faire découvrir les filles le self IKEA à mon frère Riyad. Franchement, ici les filles, ça n'a rien à voir. Parce qu'en France, on est restreint dans le sens où on ne peut pas manger halal et tout. Ici, il y a tout, il y a des trop bons desserts, il y a de la bouffe et tout est halal. Et c'est pas en termes de... Moi, j'ai pris ça, une petite bulle. Voilà, on a pris ça les filles. Moi, j'ai pris du riz avec du saumon, une petite bûche, de la sauce. Mon frère, il a pris des pâtes, tarte aux dindes. Et voilà.